One, two, three, four, five, six, seven, eight. One. 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 Bien, nous allons passer. One. Pas de rumba. One. Gauche garçon, droite garçon. One. 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 Pas de bad. One. 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 Pas de rumba. One. 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 Pas de bad. One. 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 Pas croisé. One. 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 Ouverture. One. One. À la base. One. One. À la bombe. On peut faire ce qu'on appelle en salsa un échec, ça veut dire que l'on va danser one. Un peu chacun pour soi, mais on pourrait même imaginer que la fille passe certains pas, one. Le garçon d'autres pas, et puis je récupère l'autre, donc la cavalière. One. Ok, on repart le pas de balle. 1, 2, 3, 5, 6, 7. One. Pas de rumba. One. Le pas de rumba croisé. One. 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 Pas de rumba. One. One. Pas de bad. One. 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 Pas arrière. One. Pas de rumba.
revisionnant la vidéo qu'à un moment donné j'ai fait un petit intermède en parlant des chaînes, mais qu'avec la musique de fond sonore, c'était pas très audible. Donc, ce que j'expliquais, c'est que ce que nous avons vu jusqu'à présent, donc c'est-à-dire le pas de base, le pas de rumba, ce sont donc des pas, ainsi que le pas arrière, qu'on peut considérer comme être un shine. Alors, qu'est-ce que c'est un shine en salsa? C'est justement, on pourrait traduire ça par beaucoup de choses, mais on pourrait dire un jeu de jambes qui fait une petite figure qu'on fait solo et qui va permettre d'agrémenter la musique. Alors, il y a la possibilité de faire des shines en duo, donc ça c'est très particulier. Vous avez une partie dans le site internet qui explique ces shines qui sont faits côte à côte et comment y arriver. Et vous avez plus couramment les shines en solo. Donc ça veut dire que si je joue avec ma danseuse et puis qu'à un moment donné je la lâche, eh bien elle n'est pas perdue pour autant, donc en salsa aussi bien portoricaine que cubaine, et elle peut faire des variations de figure de son choix. Donc elle peut commencer à faire des pas de rumba à son propre rythme. Voilà, elle peut faire des pas en arrière, alors ils seront en même temps que le cavalier, ou ils ne le seront pas. Donc maintenant, Joël va continuer à danser à sa façon. Voilà. Alors, on danse tous les deux, on imagine qu'il y a la musique. Et voilà, donc ceci, on est toujours en train de danser de la salsa, chacun de son côté, mais à un moment donné, la cavalière s'attend à ce que le cavalier la reprenne pour d'autres continuer. Puis, je peux simplement faire ceci, hop, elle va tourner, et c'est parti pour faire un shine. Donc, un shine, c'est bien sûr ces différentes figures, mais ça peut être d'autres qu'on va apprendre aussi. Donc sur le site internet, on va vous montrer des petits enchaînements faciles qu'on va appeler des shines solo, que vous pourrez donc intégrer dans vos musiques quand vous dansez à deux